Soit écouté dans la présence de
sœurs bien-aimées, et vous tous qui nous suivez en ligne, que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous atteigne là où vous êtes. Écoute, il y a un Dieu dans le ciel qui exauce les prières. Il y a un Dieu qui s'est toujours disposé à être avec ses enfants. Dieu aime être là où nous sommes. Il a toujours désiré habiter parmi nous. Voilà pourquoi, au travers de Jésus-Christ, il a dit Emmanuel, Dieu parmi les hommes. C'était son grand souhait que là où nous sommes, qu'il soit là. Et rien ne manque, bien-aimé, crois-moi, il est là ce soir au milieu de nous. Parce que c'est ça son plus grand désir. Et se retrouver parmi les siens, parmi les gens qui l'honorent, qui l'adorent, qui les connaît, qui les célèbre. Apporte encore une offrande d'action de grâce devant lui. Souviens-toi de tout ce qu'il a accompli le long de la semaine dans ta vie ainsi que celle de ta famille. Prononce les paroles de grâce, d'action de grâce. Commence à célébrer ton Dieu en disant merci, merci. Le Dieu juste, le Dieu fidèle, le Dieu grand, le Dieu de bonté, le
Yeah.
ton esprit. Pour ton fait, Jésus. Je suis la maman qui est 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 la ma
Invoque la gloire de Dieu sur ta famille, sur tous ceux qui te sont chers. Que le Seigneur Dieu mette un bouclier qui protège leur vie pendant toutes ces périodes de fin de l'année. Que la gloire de Dieu soit au milieu de toi et de ta famille. Que rien, aucun danger ne puisse atteindre ta maison. Alléluia. Qu'aucun malheur ne puisse frapper à la porte de Dieu. Par ta prière, protège tout ce que tu as de plus cher. Prie au nom de Jésus. Thank you.
suite à certaines occupations. Ici, le Seigneur nous fait grâce, n'est-ce pas, de paraître dans sa présence. Nous saluons cette grâce et nous lui disons merci, Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Amen. Amen. David a dit, oh, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Amen. Ah, il faut expérimenter cette joie. Et pour que toi aussi, tu sois capable de dire, je suis dans la joie. Amen. Ce n'est pas un embêtement. Parce que déjà, lorsque nous leur envoyons les textos, ils croient que nous les embêtons. Ils devraient se réjouir. Si du moins ils savaient ce qui peut se passer dans la présence de Dieu. En un seul instant, personne ne peut imaginer ce que le Seigneur peut faire. Alléluia. Et Dieu a toujours eu des surprises. Ne t'en fais pas. Tu ne sortiras pas de cette, de telle manière que tu es venu ce soir. Crois-moi au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, parce que tu ne veux pas sortir tel que tu es venu, prépare-toi à recevoir. Il y a une attitude qui te permet, n'est-ce pas, de recevoir de la part du Seigneur. Dieu regarde la disposition de ton cœur. Il regarde comment est-ce que tu t'approches devant lui. Il n'a pas besoin de ton apparence, mais son cœur l'intéresse. Ton cœur l'intéresse. Dis amen. Et permet à ton cœur d'accueillir une grâce ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Vous avez dit, nous avons parlé de Dieu, le projet de paix et nous. N'est-ce pas? Amen. Amen. Dieu, ses projets de paix et nous. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Quelqu'un qui est dans la joie va nous lire. Si tu es dans la tristesse, n'essaye pas. Amen. Amen. Go. Jérémie 29, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de mal, et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Reprenez la lecture. Lisa Mena, non attentona. Go. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Soufflez sur cet esprit. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. J'entends quelqu'un dire un avenir et de l'espérance. Si tu peux jouer de ces thèmes, de tes thèmes, dis un avenir ici et de l'espérance de ce côté. Alléluia. Dieu dit, je connais. Le projet que j'ai formé sur vous, j'ai connu. Parce que ça semblait, mais ça apparaîtrait comme s'il avait oublié. Je vais informer à quelqu'un ce soir que Dieu n'oublie jamais. Amen. Dieu n'oublie jamais. Et il ne t'a jamais oublié. Il ne t'oubliera jamais. Quel que soit ton âge, quelles que soient les circonstances de ta vie, quel que soit l'endroit où tu peux te retrouver, sois rassuré d'une chose, que Dieu ne t'a jamais oublié. En aucune seconde, en aucune minute. Ici, il rappelle Israël au travers du prophète Jérémie. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est comment? Lis. Les projets de paix et non de malheur. Les projets de paix et non de malheur. Quelque part aussi, il a dit, s'il y a un malheur qui t'arrive, cela ne vient pas de moi. Parce que dans son plan, jamais prévu un malheur pour toi. Ça ne vient pas de nous. Il dit si on forme des complots, ça ne vient pas de nous. Parce que mes projets
sont les projets de paix, n'est-ce pas? Et non de mal. Continue. C'est encore comment? Les projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir. De vous donner un avenir. Et de l'espérance. Et de l'espérance. Dieu veut garantir ta paix par un projet. Dix projets. Ce n'est pas quelque chose de spontané. Mais c'est un projet, quelque chose qui est progressif, quelque chose qui est continuel, quelque chose qui a un début, qui a une fin, qui a une période qui doit s'écouler. En termes de projet, il y a toujours un début, il y a une cour et il y a une fin. Ta vie, c'est un projet. Amen. Dans ce projet, dans le projet, il y a des paliers. Il y a un délai où on atteint cette étape et après un autre délai, on accomplit ceci pour arriver à telle étape et ça va ainsi de suite. Et ce projet-là, ce n'est pas ton projet. Ce n'est pas toi qui fais ce projet. Mais c'est Dieu qui fait ce projet. Il dit, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous donner un lendemain. Alléluia. Amen. Vous donner quoi? Un lendemain. Un avenir, pas un aujourd'hui. Il fait aujourd'hui, vous l'avez déjà. Mais, je fonctionne, je travaille pour que demain soit. Je vais te dire, Jésus dit. Quelque chose qui devrait te réjouir grandement. Jésus dit. Il dit pour te donner un avenir et de l'espérance. Peut-on dissocier l'avenir et l'espérance? Mais il y a une conjonction. Écoute, ce que je vais t'apprendre ce soir, parce que je voulais que tu apprennes, c'est une mentalité difficile à prendre. L'homme naturel ne fonctionne pas de la sorte. Ce n'est pas de cette façon qu'on nous a élevés. Ce n'est pas de cette façon qu'on nous a éduqués. Dieu a son éducation. Il a sa façon de faire les choses. Et il veut que nous, ses enfants, nous puissions pénétrer cette éducation. Les circuits du monde, l'éducation du monde, notre environnement, la vie de chaque jour nous pousse à ne pas réfléchir comme Dieu veut ou comme Dieu voudrait que nous puissions réfléchir. À ne pas nous comporter comme Dieu voudrait bien que nous puissions nous comporter. Mais si par le Saint-Esprit ce soir, ton esprit peut s'éclairer et que désormais tu puisses intégrer l'éducation de Dieu, intégrer le mode de vie, le mode, n'est-ce pas, de réflexion ou de raisonnement, de comportement que Dieu voudrait, sache que ta paix est ici. Je dis, ta paix est ici. Très souvent, quand on parle de paix, on cherche à le voir de l'extérieur. Mais la vraie paix commence d'abord au dedans. Je ne sais pas si tu as passé cette journée en paix. La paix consiste à être tranquille, comme de l'eau qui ne sont pas agitées. Calme. Il y a un proverbe qui dit,
Lorsque l'eau n'est pas agitée, c'est alors que dans cette eau-là, on peut regarder et voir les reflets sur votre visage. Mais l'eau trouble, vous pouvez regarder, vous n'allez pas vous voir. N'est-ce pas? C'est dans la paix que vous pouvez savoir votre valeur. Vous pouvez savoir ce que vous avez et ce que Dieu a mis en vous. Tout ce que Dieu a toujours cherché, c'est créer une paix à toi, à l'intérieur de toi. Mener une vie avec, comme j'ai dit, une inquiétude zéro. C'est possible avec qui? J'ai relancé cette challenge. Passer toute une semaine avec inquiétude. Malgré les pressions de la vie, inquiétude zéro. Il paix, shalom. Sans agitation. Et dans cette paix, l'adoration est possible. Dans cette paix, la louange est possible. Dans cette paix, la prière est possible. Les connexions avec les spirituels sont possibles. Sans la paix, vous n'allez pas expérimenter la gloire et la grâce de Dieu. Difficile, Dieu n'agit pas dans les coups. C'est pourquoi Jésus-Christ est apparu comme le prince de paix. Elle vient tout de suite dit, errez ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Pas ceux qui procurent les troubles. Ceux qui procurent la paix. La paix. La paix, c'est une denrée rare dans le monde. Parce que le diable aime les troubles. Voilà pourquoi il crée des circonstances pour enlever la paix. C'est ce que nous avions dit le vendredi passé. Il peut même se permettre de créer une paix. Justement, ce n'est pas pour t'enlever la paix. Des choses qui n'existent pas, mais qui commencent à te tordiller, à te troubler. Il veut que tu ne sois pas en paix. Dieu crée une paix. Et lorsque cette paix-là est garnie, lorsque cette paix-là dilatée, c'est alors un avenir incertain. Et l'espérance est certaine. Amen. Je disais, peut-on séparer l'espérance et l'avenir? Parce qu'en fait, l'avenir, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. N'est-ce pas? L'avenir, personne n'a le pouvoir sur l'avenir. Personne ne connaît ce qui viendra, même à 21 ans. Personne ne connaîtra ce qui peut arriver. Nous avons ici des très mauvaises nouvelles dans mon pays, à Kinshasa, dans la capitale. Il y a une inondation terrible. Amen. Et il y a une deuil nationale, c'est plus de 100 personnes qui ont péri. Et une famille d'une servante de Dieu que nous connaissons, moi et mon épouse, parce que nous avons vécu ensemble pendant des années. Ils sont morts, les pères, la mère et trois enfants. 5 personnes partent. Mais qu'est-ce que la personne qui est restée, qui a envoyé, qui plaît toute sa famille? Ils étaient allés dormir. Avec l'idée de se réveiller, le lendemain. La pluie est venue à battre la maison pour coucher tranquillement. Ils n'ont pas eu le temps de se sauver. Des circonstances comme ça viennent. Pourquoi? Parce que Dieu seul connaît ce qui fait pas d'elle. Si Dieu te dit, je vais te donner le lendemain, un avenir, et de l'espérance, cela veut dire qu'un avenir dont tu t'es rêvé est incertain de toucher. Tu parles à quelqu'un. Alléluia! L'espérance est cette image de ce que tu attends, de ce que tu n'as pas encore vu. Les choses que tu crois avoir, les choses que tu crois posséder, la vie que tu crois être ou avoir ou posséder. Les standing que tu crois être le tien. C'est une espérance. Parce que ce n'est pas encore dévoilé, ce n'est pas encore vécu, ce n'est pas encore touché, ce n'est pas encore matérialisé. N'est-ce pas? C'est une espérance. Mais pour que cette espérance-là soit vivante, il faut que la vie soit garantie. Je donne ça un exemple derrière. Tu veux te marier. Tu as l'image de ce mariage-là. Je ne voudrais pas que cette image quitte ta vie. Amen. Je voulais qu'une sœur vous voie toujours dans sa voie. Et rêvez toujours que le Seigneur a déjà scellé la date de mon mariage. Personne ne peut perturber ça. C'est scellé par le sang de Jésus. Même si les gens montent dans les déclarations, ils parlent de quoi que ce soit. Personne ne peut toucher à ça. Et tu crées ça comme une image, tu vois ça. La Bible dit la foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Pas
une espérance spontanée. Ou une espérance qui vient et qui s'en aille. Non, une espérance ferme. Amen. Mais là, il faut un avenir. Il faut un lendemain pour que tu fasses ces espérances. Et une espérance et un lendemain, lorsqu'ils sont assurés, tu te dis, j'irai. Alléluia. Et Dieu voudrait te rassurer que c'est lui qui a entre ses mains le lendemain. Dieu n'a jamais voulu pour toi. Dieu n'a jamais voulu que les hommes s'inquiètent. C'est notre mentalité, dans la mentalité humaine. Mais Dieu est venu créer des craintes à nous. Et beaucoup de craintes sont les craintes du lendemain. Que deviendrai-je? Que serai-je? Comment vivrai-je? Qu'est-ce que cela apportera? Comment est-ce que cela se passera? Ce sont des choses qui créent des frustrations, des stress et qui enlèvent la paix. Allons dans l'écriture. Lisons un peu Matthieu chapitre 6, verset 34. Matthieu chapitre 6, verset 34. Oh, you are late. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Répète ça. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. That's crazy. Le lendemain se souciera de lui-même. Le lendemain a une personnalité. Le lendemain a un raisonnement. Le lendemain connaît parce qu'il a laissé des ordres de la part de celui qui l'a créé. La Bible dit, le lendemain se souciera de lui-même. Ça, ça paraît utopique dans la conception de la vie du monde. Personne ne pourra te permettre de passer de cette façon. Amen. Notre mentalité, elle s'est vide. Pourquoi s'est vide? C'est parce qu'on veut préparer le lendemain. Pourquoi on fait des choses? Tout notre passé, c'est le lendemain. Alors que nous savons que demain n'est pas garanti. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi, tu ne sais pas si tu vois ça. Tout ce qui te fait trembler, ce n'est pas aujourd'hui. Toutes tes craintes, toutes tes peurs, ce n'est pas aujourd'hui. Mais alors que même aujourd'hui-là, c'était là demain. Amen. Nous attendons la fête, les grands événements que nous avons du 31 décembre. C'est encore un là, mais le premier, le 31 sera déjà passé. Et nous mettons beaucoup de quiétude, beaucoup de craintes, beaucoup de précautions. Parce que tes pensées, ton attention est tellement plongée sur les lendemains. En fait, le diable veut enlever les goûts de vivre aujourd'hui. Il fait enlever les coups des jouis de toutes ces 24 heures que Dieu t'a déjà donné. Il te fait miroiter quelque chose dont tu n'as pas le pouvoir. Pourquoi ne pas laisser ça? Parce que tu ne pourras rien faire. Je vous dis, toute une famille était endormie. Ce sont des personnes que je connais. Je peux avoir leur voix. Je peux encore voir cette maman-là. Et regarder son mari. Et regardez aussi les enfants. J'ai dit au frère qui était resté, lorsqu'il a posté, j'ai dit, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut te dire. Tu n'as pas le pouvoir sur ce qui viendra. Donc, il décourage. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui a parlé. Ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un prophète, mais c'est la vérité lui-même. La vérité parlée. Amen. La parole parlée. Qu'est-ce qu'il dit? Lise ça, l'ami, c'est bon? Ne vous inquiétez donc pas. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit. À chaque jour suffit.
comprends ça, tu pourrais être rassuré et garder la paix. Les choses pour lesquelles qui te troublent aujourd'hui et qui font que tu crois que ton avenir est compromis, c'est pas ça. C'est pas ça. Dans le projet de Dieu, Dieu dit, je vais te donner un avenir. Alléluia. Je vais te donner de l'espérance et un avenir. Regardez maintenant comment c'est Dieu éduquer les gens. Retournons dans les textes que nous avons exploités le vendredi passé. Dans Exode chapitre 16, je voudrais que tu ailles là-bas et que tu lises Exode chapitre 16. C'est ce que nous avions lu la semaine passée. Vous vous rappelez? Nous avons commencé au premier verset. Go, go, lis la Bible. Parce que toute l'assemblée des enfants d'Israël partit et ils arrivèrent au désert. Ils arrivèrent au désert d'ici. Qui est entre Élim et Sinaï. Qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois. Après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura. Suivez ici, s'il vous plaît. Toute l'assemblée d'Israël murmura. Toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura. Dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent. Que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte. Quand nous étions assis près des pots de viande. Quand nous mangeions du pain assasié. Car vous nous avez menés dans le désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Continue. L'Éternel dit à Moïse. Voici, je ferai pleuvoir pour vous. Écoute ici. Go. Du pain. Je ferai pleuvoir pour vous du pain. Du haut des cieux. Du haut des cieux. Le peuple sortira. Et en ramassera. Jour après jour. La quantité nécessaire. Afin que je mette. Écoutez-moi. Jour après jour. Qu'est-ce que le peuple fera? Ramassera quoi? Le pain, n'est-ce pas? Comment? Combien? Continue. Après que je mette à l'épreuve, que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Il faut commencer à inculquer dans ses enfants la pensée de dépendre à lui. Journalièrement. Pas de bébé. Il dit, je vais commencer à les éduquer pour voir s'ils seront obéissants, pour vivre selon ce que moi je commande. Qu'est-ce que moi je commande? Moi je commande que tu dois te soucier pas de bébé. Tu dois te suffire de ce que tu as. J'ai dit, c'est une éducation que le monde ne nous a pas donnée. Et pour se défaire de ça, ça demande une dose de l'esprit. J'attendais quelqu'un de la main. Imagine-toi, tu es un papa, tu n'as rien dans les séries. Tout ce que tu reçois, tu vis comme ça. Ça paraît utopique. Ça paraît comme un imbécile. Réaliser de tout ce qui est donné. La logique de Dieu n'est pas comme la logique des hommes. Écoute-moi bien. Ou bien tu crois à Dieu. Tu crois qu'il est omnipotent. Quand je dis omnipotent, cela veut dire que tout le potentiel est dans le. Le potentiel, comme je vous ai toujours dit, c'est une faculté qui est encore là, latente. N'est-ce pas? Le potentiel, c'est une force qui n'a pas encore manifesté, mais qui est là. Quand on dit Dieu est omnipotent, c'est qu'il a encore des capacités que nous n'avons pas encore. Voilà pourquoi on dit il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Si ton cas n'a pas encore existé et que dans la création, il n'y a rien pour résoudre ce cas-là, il a la capacité de ramener à l'existence la solution à ton cas. La main est là, dans la tête. Je voulais que ça pénètre jusqu'à dans ton esprit. Amen. Pour que ça provoque une foi. Ton Dieu
Voilà pourquoi il est dit. Je ne sais pas. Si dans ton cœur, tu peux imaginer ce qu'il dit. Nous n'arrivons pas à méditer. Et à faire confiance. Il leur dit, vous allez sortir chaque matin, ramasser le pain. Ne prenez pas une quantité supplément. Prenez ce que vous avez besoin, hein, ces jours-là. Si vous avez lu tous les chapitres, vous allez trouver. Les gens sont sortis. Il y en a qui ont ramassé beaucoup. Ils ont mangé tout ce qu'on a dans l'esprit que les hommes ont. Les garder pour des mots. Pourquoi? On ne sait jamais. La peur de la neige. Sa foi est lorsque nous nous inquiétons. Lorsque nous nous inquiétons pour l'avenir, ça fait que nous nions sa crainte. Parce que c'est lui qui a hâte de s'aimer. Lorsque tu commences à t'inquiéter, mais ce qui va venir demain, c'est comme si tu devais devenir Dieu. Et tu les concurrences. Tu veux rivaliser avec lui. Et qu'est-ce qu'il y a? Il va croiser. Il dit va-t'en. Mais ce qui fait que Dieu s'implique dans ce qui te concerne. Fais-lui confiance pour ce qui est. Je dis, fais-lui confiance pour ce qui est là. Mais là, il a commencé à implémenter, à vouloir inculquer cette mentalité dans Israël pendant 40 ans. Pour qu'ils apprennent à dépendre totalement de lui. Chaque jour, vous allez sortir prendre la quantité nécessaire. Si vous prenez un exemple, Dieu l'a fait sciemment. Parce qu'il avait aussi la possibilité de garder sa frère. On a gardé la manne pendant plusieurs années dans les coffres sacrés, n'est-ce pas? Dans l'âge de l'Alliance, la manne n'a pas pris. Mais parce qu'il y a perdu, cela reste intact. Dieu te permet des circonstances dans ta vie, là où ça ne marche pas pour tout le monde, toi, ça marche. Amen. Et tu as un témoignage pour quelqu'un comme ça dans ta vie. Amen. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je le Seigneur. Je voudrais encore l'aider davantage. Je voudrais encore le faire davantage confiance. Et puis ce qui nous froisse dans toutes les circonstances. S'il y a des tumultes, s'il y a des discussions parmi nous, s'il y a même des mésententes parmi nous, c'est à cause de la peur de ce qui vient d'arriver. Qu'est-ce qui t'arrive à faire? Pourquoi tu es en conflit avec X? Pourquoi tu es en conflit avec Y? Pourquoi tu es de mauvais humeur? Ce n'est pas toi. Ce n'est pas un homme et une femme comme toi. Tu as de mauvais humeur, pourquoi? Toi, tu es le racheté de Jésus. Le Seigneur a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. La paix, comme je vous ai dit, la paix que le Seigneur avait. Quand on va arriver dans Jésus, lui, ça dort. Et c'est cette paix-là qui était supposée avoir. Lorsque tout est noir, lorsqu'on est à terre, de chasser les gens dans le boulot, lorsque l'économie du monde est en train de vaciller, toi, tu dois être. Amen. Ton calme là vient trop. De la science de celui qui t'a dit il ne dépend pas soi et de celui qui a un projet qui est dans le fond et dit ce sont des projets de paix et non de malheur. Je voulais que tu retiennes ça au-dedans de toi. Tu connais ça mathématiquement, mais je voulais que tu connais ça par foi parce qu'il a dit le juste vivra par la foi. Alléluia. C'est-à-dire le juste ne perdra jamais les joies, le juste espérera toujours que ce qui est abonné. A commencé à forcer didactiquement les Israélites à s'appuyer sur lui. Et vous allez manger ça. Ça va rester comme ça. Pendant 40 ans, il croyait que ça va rester inculqué à lui. Jusqu'au point qu'en allant à la terre promise, qu'il soit conséquent le lendemain à partir à Jérôme. Il est là, il va partir à Jésus. Ton lendemain à partir à Jésus. Oh, mais le lendemain appartient à Jésus. Il ne t'abandonnera pas. Écoute, j'avais dit la semaine passée, si tu vois une situation qui est contraire à tes espérances, contraire à ce que le Seigneur
sont là. Ce n'est pas la dérangée. Ça, ce n'est qu'un arrêt. Vous êtes en train de passer. Peut-être qu'il y a des gens qui vont descendre là. Et ne perdez pas, ne perdez pas, ne perdez pas aux circonstances passagères d'éteindre tes espérances. De consommer tes espérances. Parce que Dieu n'aime pas que l'on perde sa place. Dans ce livre de Matthieu, le Seigneur a commencé à questionner. Par qui, il dit, qui parmi vous peut, par ce qui est dit, changer le fils et les cheveux de sa vie? Qui le peut bien vivre? Écoute, même si le Seigneur nous bénissait avec de l'argent, nous n'allons pas mettre notre espérance. Nous sommes de la génération des Job. Job a dit, je n'ai pas mis mon espoir sur l'or que j'avais. Il était béni. Il est l'image de quelqu'un qui a été béni avec le matériel. Mais il n'était pas son espoir à l'or et à l'argent. Il n'était son espoir à celui qui a accès du matériel. Qu'est-ce qu'il faut pour dire? Et là, on commence à chercher. D'où viennent les inquiétudes? Amen. On va finir le verset là de Matthieu chapitre 34. Et puis, Matthieu 6, 34. Le point est fini jusqu'à 35. Il n'y a pas 35, c'est le dernier verset, n'est-ce pas? Continuez. Ne vous inquiétez donc pas. Il a insisté. Ne vous inquiétez donc pas. Il a dit. Car le lendemain aura soin de lui-même. Ah, j'aime ça. Amen. Je prie que c'est insensé sur le plan humain qu'il est passé comme ça. C'est insensé. C'est insensé, Christelle. C'est insensé de passer comme ça. Mais nos troubles viennent parce que nous n'avons pas la foi qui est à distance. Nous croyons qu'il est à distance. Comment je vais payer? Comment je vais payer? Comment est-ce que je vais faire ceci? Je vais le faire quand? Alors, tous ces choses qui se sont passées, comment est-ce que ça se sont-ils passées? C'est avec ta force, c'est avec ton intelligence, et tu as pu couvrir tous ces choses ici. Je vous ai dit, si tu es attentif, tu regardes bien, il y a toujours une main invisible qui a accompagné ton épaule. Fais les calculs de tout ce que tu gagnes et de tout ce que tu dépenses. Il faudrait que les dépenses soient toujours. Alors, mais c'est plus là, ça vient. Dieu est là avec toi. Mais le problème est que le diable ne veut pas que tu sois concentré et de voir comment ce que Dieu est en train de faire. Il veut que tu sois dans les troubles. Il veut que tu sois dans les lamentations. Il veut que tu sois dans le pleur. Il veut que tu sois dans le stress. Dans les soucis. Qu'il arrive à perdre le sommeil. À perdre le goût de manger. À perdre même le goût de partager la vie avec les frères et les soeurs qui disent. Parce que quand on est en paix, on est en joie, on voulait vivre avec les amis. On voulait sourire avec les gens. On voulait parler guérement avec les gens. Parce que la joie aime être partagée. Amen. La paix aussi aime être partagée. Alors qu'est-ce qui t'empêche de jouir de ce don-là que Dieu a donné? Si tu vas bien, l'inquiétude c'est. Retiens quelque chose. Le projet de Dieu pour toi, c'est pour te donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Lorsqu'il y a de l'espérance et de l'avenir, la paix du cœur. Et cette paix-là ne peut pas venir de l'argent. Ça ne peut pas venir de tout le matériel, non. Parce que même le matériel peut créer une trouble, une insécurité dans la vie. Amen. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Ça peut apporter beaucoup. La bonne chose, c'est la nuit. Tu peux avoir des procès. L'État t'attend pour des taxes. On commence à te soupçonner à ceci. On commence à te soupçonner à cela. Tu commences à vivre dans les taxes. Ça devient une source de grands problèmes. N'est-ce pas? Alors, la paix, c'est savoir que Dieu est au bout de toi.
ça, j'ai dit, c'est une mentalité de divise. Parce que nous sommes rodés, nous sommes éduqués. Et cette façon de penser, c'est qu'il est là. Il va devenir calme. Les samedis, a déjà tout ce qu'il faut pour nous. Les dimanches, a tout ce qu'il faut pour nous. Le Seigneur a commencé par enseigner, il a dit, regardez les autres ici. Ils ne savent pas. Ils ne ressortent pas. Ils n'ont pas de grenier pour garder. Ils n'ont pas de servir. Mais toi, tu vis comment? À chaque jour, c'est fini. Les animaux vivent comment? À chaque jour, c'est fini. Les poissons vivent comment? S'ils ont eu à manger aujourd'hui, demain, ils savent que ça vient. C'est là pour comparer les hommes qu'il a créés à son image. Et à cette image. En leur montrant, c'était, on a dit, fait. Il dit, votre Père Céleste, c'est que vous avez besoin de tout ça. Il a des pères. Peut-être qu'il y a des enfants, tu ne crois pas, il dit, papa. Vous savez, lorsqu'on est responsable, on croit déjà qu'on est responsable et qu'on n'a pas un père. Nous avons tous un père. Et nous voulons tous se sentir comme des enfants entre les mains de ses papas. De ses papas glorieux. De ses papas bénis. À qui parle ce que tu as envie de Jésus. Que tu te confies à nous entièrement au nom de Jésus. Et ce sont les païens qui se tourment. Et nous sommes déjà sortis des païens. Nous ne sommes plus dans ces cercles-là où on vit avec la paix de la même. En principe, nous ne devons plus être comme nous. Parce que nous sommes sortis de là. Mais nous allons avoir un fils qui nous a dit à réfléchir comme nous. C'est le Seigneur Jésus qui a dit ces choses-là, ce sont les païens qui s'en inquiètent. Il dit vous, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Et toutes ces choses que vous voyez vous seront données par vous. Parce que Dieu a un projet de paix. Et non. C'est pour moi quand les malheurs viennent. Regardons, disons, Seigneur, ça vient. Parce que ça ne vient pas de toi. Amen. Et nous levons pour combattre ici. Et nous levons pour contrecarrer cela. Et connaissance, c'est là que nous avons le pouvoir. En somme, ce que je vais te dire ce soir, c'est que tu peux commencer à développer une mentalité. Que lorsque les inquiétudes montent, commence à penser à ces passages. Commence à te rappeler que le lendemain n'est pas solaire. C'est la parole de Dieu. Et le Seigneur a dit, même pas un iota ne sera enlevé de ses maladies. C'est comme si nous sommes les enfants de Dieu parce que nous croyons la parole de Dieu. Si nous cessons de croire la parole de Dieu, nous cessons d'être. Nous cessons d'exister comme enfants. Ce qui fait la différence, c'est ce que nous avons comme parole. Que nous voyons est failli. Et ces paroles-là font de bonnes discussions. Puisse cette paix complète ton cœur ce soir. Je dis, puisse cette paix complète ton cœur ce soir. Alors, si tu as compris quelque chose, ça a résonné tellement fort dans mon cœur. Je commence à dire, en fait, qu'est-ce que j'ai pour être dans la joie? Quelqu'un m'a rassuré, il m'a dit de le mettre en la soirée. Ce n'est pas parce qu'il y a travaillé, en fait. Ce n'est pas parce qu'il y a servi. Alléluia. C'est parce qu'il a donné des ordres. Il a donné des ordres pour fonctionner, Seigneur. Il a donné des hommes pour qu'il pleuve ou qu'il neige. Il a donné des hommes pour que le vent souffle. Il a dit au vent que demain tu vas souffler de telle en telle. Il n'y a pas un homme qui peut ça. Il n'y a pas un homme qui peut modifier ça. Et qu'il est affixé à la vie. Et il a donné ses hommes. Quoi qu'il y a ça, il a donné des hommes pour toi. Il y a des hommes qui sont des hommes de même. Il y a des anges qui attendent cette heure-là. La promesse de Dieu s'accomplit dans ta vie. Alors, il faut les employer avec ton intégrité. Parce que lorsque tu commences à t'inquiéter, tu cesses d'agir. Tu deviens, ça y va. Parce que tu crois que tu peux faire des choses. Mais là, il te laisse, va.
ténèbres par rapport à cette lumière. Au nom de Jésus-Christ. Parle, explique-toi. Ne fais pas comme si tu n'as rien compris, tu n'as rien compris. Mais dis au Seigneur ce que tu as compris. Y a-t-il un mot d'action de grâce? Alléluia, 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 alléluia. Parce qu'il vit, je n'ai rien à faire, mais sont assis à quel semaine il t'est ma vie doucement et l'éternité je sais parce que tu vis parce que tu moi, je n'ai rien à faire. Qu'est-ce que ça va te demander de tout ce gars? Pour ma paix, pour ma joie et pour ma tranquillité. Merci Seigneur.